Putain, mais je croyais que j'étais gros, moi. 30 secondes, les gars, je suis sec, finalement. 10 secondes, le truc. T'es avec qui? Bah, avec les... cousin Hub. Ah, c'est bon, j'ai béni avec moi aussi. Ouais, t'as une machine de guerre, là. Ouais, j'ai une bonne petite machine de guerre. Putain, ils ont le béni, là-bas. J'ai le broyeur. Merci. T'es laissé quand même. Ça va intriguer, quand même. J'ai même la France 2. France 2, France 3, Karim. Là, ils passent à 45% pour faire le con en hélico. Oui, ils ont un beau métier quand il n'y a pas la guerre. Tu veux partir tout seul? Allez, gars, hein, non, mais... on va pas coucher là. Donc, on répète, le but de l'exercice, c'est de travailler le seuil lactique et la PMA. Donc, on vient au jeu. Le but du jeu, c'est pas qu'au bout de 5 bornes, il y en a 3 qui sont derrière. Donc, les véhicules sont là aussi pour ça. Les deux voitures, c'est la sécurité avant tout. Mais s'il y a des mecs un peu largués, le but c'est pas qu'au bout de 10 bornes, voilà, tout le monde fasse l'exercice. Donc les voitures aussi ramènent les mecs dans le groupe principal régulièrement. Donc c'est le, voilà, l'essentiel c'est qu'il y ait beaucoup de mouvement, que chacun puisse travailler pendant ces 52 km qu'il va y avoir. Voilà, et moi le scout je serai plutôt à l'avant et les deux voitures font le tampon entre ceux qui sautent et qui reviennent dans le groupe principal. Il y en a qui l'a un peu stické à Amir pendant les deux heures et demie. Il va comprendre Amir, il est dans la bonne équipe. Ouais, Amir, ouais, c'est bon. Amir, suive les premiers. Si tu vas arriver avant le deuxième, c'est full gas. C'est full gas. Il en fait pas pour lui, je crois. Christophe est bon, on y va les gars. Et je vous retrouve. Ça brûle les bronches. On va mettre les vélos de l'autre côté et puis courir. Ah ouais, départ à type Le Mans. Chaussures jaunes, maillot jaune, lunettes jaunes. Il a ça. Il avait dit qu'il gagnerait le Tour 2012. Il est là, Christophe Griblon. Ah, tu l'as dit hier soir. Les gars, je vous paye tous un coup fin juillet 2012. T'as dit que t'étais tellement blindé que comme t'allais gagner le Tour, etc. que. Allez, gars, de toute façon, Casper, quand il parle, c'est pour parler de pognon. Alors là, on est marre. Bah, c'est au pognon au cul. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les tests scientifiques. Hein. Didier, il reste 40 bornes, ils se prennent vachement au jeu là. Ah oui, c'est toujours assez ludique. Hein. Ça part un peu à la blague, mais finalement, à la sortie, ça rentre vite en jeu. Une petite compétition, de toute façon, c'est compétiteur avec l'esprit compétiteur. Donc, dès qu'on met un peu en avant un travail de compétition, de course, on rentre dedans. Tu peux me remettre la veste à sécher parce qu'après je refais un petit tour. Elle était dans la mienne, la veste. Comment? Elle était dans ma voiture. Dans l'autre voiture elle était? Ouais, j'avais posé là. Nico, c'est toi qui gagne aujourd'hui? Non. Non? Bah, ils ont 45 secondes. J'ai mis un courant par groupe. 45 secondes. Hein? 45 ouais. Secondes. Toujours qui est équipé? Hubert, Guillaume. Guillaume et Max. Okay. Dernier écart les gars, 45 secondes. 45 secondes. Allez, on gère bien son effort. Allez, Mika, allez. Et là, quand on voit Chirel comme ça à ce niveau, on se dit pas, il serait mieux. Autour d'un under? Ouais, moi c'est je pense qu'il y a des objectifs, la saison elle est longue. Là il a son niveau, c'est vrai là, mais ceux de tour under sont pas mal aussi. Donc on répartit un peu la qualité de chacun. Voilà, le scooter derrière qui va arriver. Dans les deux là. Non, bah, méfie-toi, tu le sais. Attends-toi. Tu vois, là aussi, on travaille un petit peu des stratégies. On lui apprend de dire, ça sert à rien de laminer en tête avec 50 mètres d'avance. À 3, vous avez peut-être une chance de lâcher le peloton qui est juste derrière nous. Là, on n'intervient plus. On essaye de plus trop intervenir maintenant, chacun pour soi, là, sur le truc. Allez, les gars, moins de 5 bornes. Allez, 5 km, hein. Allez, les gars, allez. Bon, là c'est l'arrivée Didier. Ouais, c'est l'arrivée. On voit un petit sprint, il y a un coureur qui est sale devant, qui essaie de résister au retour du groupe.
crois qu'il va peut-être y arriver, mais ça m'étonnerait. Eh non. On revient costaud. Allez, 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 allez. Allez, allez, jusqu'au bout, Nico. Allez, 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 allez. Donc résultat des courses. Premier Bardet, deuxième Roche, troisième Mondori. Résultat des courses. Putain, Ravard lanterne rouge. C'est ça, hein. Encore derrière, hein, encore derrière. Oh, le Nico, il m'a fait bêter de la roue. Putain, ma machine luxembourgeoise, je sais pas où elle était, mais ça m'a pas fait rêver. Hein. Non. Hey, bien, Romain, c'est bon. Je croyais que j'étais bien dans la roue, j'étais à bloc. Romain, première victoire de l'année. Je pense que je vais voler une. Regardez moto, dans la voiture, temps d'avenir cette année. C'est comme une vraie. Ça débloque. Non. Non. Hein. Ça fait du bien là où ça fait. Moi, j'ai débouché à 100 mètres et les autres. Donc nous, ça fait 2 km. Je suis devant. Et là, je l'ai jamais autant attaqué en course que. Tu te fais plus mal en course qui... Tu te non, fais plus mal qu'en course. Ouais, ouais, c'est difficile à dire, mais. Non, bah là, on est en. Sans cesse en activité. Et puis bon, on calcule pas nos efforts, alors qu'en course, on essaye d'être sur un peu dans tous les efforts. On sait qu'il y a vraiment un objectif, c'est le résultat. Donc, l'objectif, c'est de finir mort. Donc, je pense que c'est chose faite pour tout le monde. Donc. La journée est terminée. Allez, ciao. Ouais. Ouais.